Allez, 1er février, on va aller voir ce qui vient à toi pour le mois de février selon ton signe astro. Comme là, il y aura trois tas. Tu iras voir, c'est indiqué ici ou ici directement au niveau des paquets où il y a ton signe astrologique. Si celui-ci ne te parle pas, je t'invite à aller trouver ton ascendant ou bien ton signe lunaire. En fonction de toi, tu peux aussi voir celui de la personne de ton cœur, de ton chien, de ton voisin. Je ne sais pas pourquoi le voisin, mais pourquoi pas. Et puis voilà, allez, que t'annonce le mois de février, Paulti. Reste bien concentré. Pour ceux qui mettent des petits commentaires, oui, la lune est déjà passée, ou ceci, mais je comprends pas. Il y a parfois des personnes qui nous demandent de reposter des vidéos, donc on les reposte en fait. Si tu vois que c'est une vidéo qui est déjà parue et qui ne parle pas, ben, en fait, tu swipes. Commentaire, il n'y a pas forcément besoin. Et j'aime aussi les petites personnes qui mettent des petits j'aime, tu sais, à ces commentaires un peu puérils. J'ai envie de dire, bon, ça vaut pas plus que ceux qui mettent les commentaires en fait. C'est genre, je fais un peu languille, tu vois, je mets un petit j'aime ou un petit bonhomme qui fait la tête. Ça n'a strictement aucun intérêt. Je ne sais pas à quoi vous vous amusez, mais c'est nul à souhait. Bref, c'était mon aparté, encore une fois. Je pense que vous devez aimer quand je renvoie les gens dans leur but. C'est pas possible. Ah là 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 là. Bref, heureusement que c'est un tout petit pourcentage des gens qui nous suivent. Et heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que sinon, vous êtes une communauté de ouf. Petit aparté, tant que je finis. On a remis une date pour l'écriture intuitive. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées. On va venir vers vous. Si vous avez envoyé un message, on vous reviendra aussi vers vous pour vous donner les modalités. Et nous lançons aussi en même temps, je dirais, une formation oracle de G qui se fera aussi sur le courant du mois d'avril. Désolé, le bruit des chiens, c'est l'artisan qui, ouais, l'artisan qui est toujours là. 4, 4 et 4. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vous informer si vous voulez l'oracle de G ou bien la formation écriture intuitive. Hier était une magnifique journée. Je remercie encore beaucoup les personnes que j'avais en formation avec moi. Allez, tas numéro 1 pour ceux qui sont Verseau, Taureau, Cancer et Bélier. Pour vous, voyage, culpabilité, abondance, réconciliation, apaisement des émotions, trimestre en cours, indécision, tromperie. Ok. Alors, bon, pour vous quatre, on sent que le mois de janvier, pardon, le mois de février va être un peu solitaire. Un peu solitaire, en tout cas, il démarre comme ça. On voit qu'il y a un chemin personnel, il y a beaucoup de culpabilité, mais cette culpabilité, ça vient d'une personne qui t'a trahi. Une personne qui t'a trompé, qui t'a trahi, qui n'a pas réussi à prendre les bonnes décisions. Et on voit que le mois de janvier a été précurseur pour guérir avec le temps. Ici arrive le guérisseur de tous les temps. Apaiser les émotions, trimestre en cours, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé au minimum au mois de janvier, mais peut-être même fin d'année 2023. On voit qu'il y a une réconciliation qui arrive pour toi, parce que par le passé, il y a eu beaucoup d'indécisions, la sensation de tromperie et de trahison. La tromperie n'est pas forcément aller voir quelqu'un d'autre, attention, soyons bien clairs. Ça peut être plus profond que ça. En tout cas, vient à toi pour le mois de février une véritable abondance. Abondance déjà sur une réconciliation et l'apaisement de tes maux, MAUX. Et de tes mots MOTS, parce que tu vas guérir. C'est-à-dire que c'est venu mettre en lumière encore des choses que tu avais besoin de travailler et que tu es en train d'apaiser. Cet apaisement permet déjà en premier lieu une réconciliation avec toi-même, pour ensuite aller véritablement vers une réconciliation avec une autre personne, peut-être la personne de ton cœur, une amie,
un parent, un collègue, peu importe. En tout cas, tu vas vers le pardon. Pour moi, ça amène le pardon. Le pardon, il est puissant quand il est sincère. Tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde commet des erreurs. Et en fait, c'est accepter que l'autre ait pu commettre des erreurs, comprendre pourquoi elle les a commis, accepter, diluer et laisser passer. Tout n'est pas pardonnable. Et encore que. J'ai envie de dire que je pense que tout est pardonnable. Ce n'est pas pour autant qu'on oublie. Véritablement. En tout cas, il y a eu des indécisions avant et on n'est plus du tout là-dessus au mois de février. Il y a une réconciliation qui se fait, certainement au bout d'une conversation, d'une communication. En tout cas, ça ne repart pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a de la culpabilité par rapport à cette tromperie, cette trahison, mais surtout à des indécisions qui ont été faites par le passé. Aujourd'hui, on est, voilà, laissons-nous peut-être une seconde chance. Permettons-nous de déjà mieux communiquer pour pouvoir aborder, en tout cas, le mois de février avec beaucoup plus de sérénité. Tu as plutôt bien travaillé, Verseau, Taureau, Cancer et Bélier. Allez, ta numéro 2. Vierge, bon, c'est pour moi. Sagittaire, Lion, bon, mon chéri aussi, c'est quand même dingue, hein. Balance, allez, pour vous quatre. Énergie, isolement, lumière. Ah, libération de blocage, de l'être aimé, besoin d'ancrage. Ok, il y a une personne qui retrouve son chemin. Il y a ton autre qui retrouve son chemin. L'être aimé, c'est la personne que tu aimes, mais avant tout, c'est toi. Peut-être aussi que c'est toi qui est en train de retrouver ton chemin de vie. Celui dans lequel peut-être tu t'étais perdu. En fait, tu n'avais pas de visibilité sur ce chemin. Donc, il a fallu élaguer, il a fallu tailler. Peut-être que tu as eu besoin de nous. Parce que je me représente comme étant un paysagiste. Je suis en train d'élaguer ton chemin de vie, en fait. Ton chemin, il est déjà là. Je t'accompagne, juste guide, peut-être. Ou une autre personne, l'un de nos confrères, ou peut-être tout seul. Possible. Hostilité. Magicien et miroir. Et ange de la force. Il y a eu une grosse période véritablement compliquée. Il y a eu des blocages qui sont amenés à toi, mais aussi à la personne de ton cœur. Cette carte, qui est la carte des énergies, représente le passé, le présent et le futur, mais aussi une grande forme d'isolement malgré la lumière vous émanant. Toi, mais aussi la personne de ton cœur. Il a fallu et il vous faut encore passer ces blocages sur le courant du mois de février. Toi et l'autre, en fait, on sent que vous êtes en train de travailler certainement la même blessure actuellement, peut-être en lignée transgénérationnelle, vie antérieure, ou bien des blessures tout bonnement qui sont l'abandon, le rejet, voire, pourquoi pas, la trahison, et tant d'autres. Vous allez de toute façon vers un ancrage sur le mois de février, avoir les pieds sur terre, être bien aligné à soi-même. Je pense, je dis, je fais. Il y a eu des hostilités, certainement avec la personne de ton cœur, certainement en communication, par message. Et bah, tout ça vous a donné la force, en fait, de vous dépasser, de te dépasser, de l'autre aussi de se dépasser pour pouvoir vous dépasser par la suite ensemble. En fait, on travaille de front même si on ne se voit pas. Tu vois, il y a ce mur entre vous deux et vous travaillez de front. Eh bien déjà, c'est déjà, j'ai envie de te dire, un premier pas. Il y a cette grande forme aussi d'isolement qui va continuer à te poursuivre et à le poursuivre ou la poursuivre aussi de son côté sur le mois de février. Mais en tout cas, c'est top parce que tu te libères d'un blocage, tu te libères de choses dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Tu vois, ce passé, ce présent et ce futur. Tu vis actuellement l'instant présent, tu acceptes de laisser derrière toi des blessures du passé qui n'ont plus rien à voir avec toi aujourd'hui. Ça vous permet en fait d'être armé pour ce qui va vous arriver. Tu es sur un parcours qui est chaotique, mais qui est salvateur. Il te permet d'être tellement plus en harmonie avec toi-même avant de l'être avec les autres. Oui, il y a eu de l'hostilité, il y a eu des mots qui ont été compliqués, des mots qui ont été durs pour toi, pour l'autre, mais c'est bon quand même. En fait, c'est vraiment quand vous êtes mis à l'épreuve que vous faites les plus grands pas de géant. Ce n'est pas quand tout va bien. En tout cas, tu dépasses un blocage qui vous permet, en tout cas, une harmonie au niveau énergétique de ton autre, c'est-à-dire de ton lien, mais ouais, mais aussi de toi. Vous avez cette force mutuelle de pouvoir dépasser tout ce que la vie vous fait vivre. Et on te parle toujours de l'être aimé. Ne doute pas de l'amour qu'il te porte.
Donc, vous avancez de front même si vous n'êtes pas en contact. Et ça, c'est top. Allez, dernier tas. Pour les Capricornes, Gémeaux, Poissons et Scorpions. Pour vous quatre, qu'est-ce qui s'annonce? L'attirance Oméga, passage d'une porte, une femme. Le travail, l'abondance, une rencontre forte. Ok. Tu t'es plongé dans le travail, là, peut-être courant mois de janvier. Bon, quelque part, professionnellement parlant, tu es récompensé de tes efforts. Tu amènes à toi l'abondance financière, peut-être une prime, l'augmentation de salaire, peu importe. Mais on voit que sur le côté sentimental, ça a été quand même bien plus compliqué. Tu as eu le cœur brisé, certainement parce que l'autre est parti avec une tierce personne. Ça t'a profondément meurtri, profondément blessé, une tristesse intense. Et c'est aussi pour ça que tu t'es plongé dans le travail. En tout cas, tu t'es dit, voilà, ah, ok, maintenant c'est focus boulot, il n'y a que ça qui me tient. C'est bien, mais c'est pas bien. En tout cas, on te dit bien qu'il y a une personne nouvelle qui arrive à toi. On voit une rencontre forte qui sera clairement abondante. Un homme qui va te charmer, en tout cas un partenaire, homme ou femme, qui va te charmer, qui a une certaine, qui a un certain charme, qui est en fait, j'ai envie de dire, un peu charismatique. Quelqu'un que tu n'avais pas vu jusqu'ici, une personne que tu n'avais pas forcément peut-être vue, parce que tu n'étais pas du tout ouverte à ça, parce que bah, tu étais encore peut-être en relation. Mais en tout cas, cette personne, elle, elle t'a déjà vue depuis un long moment. Et clairement, on voit que bah, y a une nouvelle rencontre qui s'offre à toi, une rencontre qui sera forte, qui sera intense. Rien à voir peut-être avec ce que tu as vécu jusqu'ici. Tu es en train de faire le deuil de ton ancienne relation. Alors, avance, permets-toi et... laisse ton cœur te guider parce que s'offre à toi clairement quelque chose de plutôt joli, magnifique, mais surtout très intense. Fais attention tout de même à pas trop avoir la tête dans le guidon au niveau boulot parce que le travail c'est bien, mais tu as besoin de ta santé pour aller travailler et non pas à l'inverse. Donc fais attention, modère-toi. Tu es un bon élément, ne doute jamais de ce que tu peux apporter dans l'entreprise dans laquelle tu bosses, mais pas à ton détriment, pas au détriment de ta santé intellectuel, émotionnel, mais aussi physique. Prends soin de toi. Tu as dépassé des dernières traverses, ces épreuves et ces obstacles qui ont été compliqués, qui t'ont brisé le cœur et on le voit bien. Mais la vie te sourit en fait à nouveau avec cette nouvelle rencontre qui se présente à toi.